Bonjour à toutes et à tous, j'ai profité d'être en visite à la savonnerie bourbonnaise, ici dans le Bourbonnais, pour vous faire une petite vidéo qui, à mon avis, va bien vous plaire parce que beaucoup d'entre vous se demandent comment choisir son propre savon à froid. Le choix est très très large, il y a des savons à froid qui sont surgras, d'autres un peu moins, il y a des savons à froid qui contiennent des huiles essentielles, d'autres un peu moins, voire pas du tout. Comment choisir son savon à froid? C'est ce que je vous propose de découvrir avec justement des savons de qualité Slow Cosmétique, puisque justement on est ici à la savonnerie bourbonnaise aujourd'hui. Alors, la première chose à savoir, c'est que si vous avez la peau délicate, hyper réactive, ou si vous souhaitez faire la toilette d'un enfant en bas âge ou d'un bébé, le savon à froid, c'est absolument parfait, puisque vous avez une formule très douce, une base lavante exceptionnellement riche en glycérine naturelle qui va finalement tempérer l'effet parfois un petit peu détergent du savon classique grâce justement à cette glycérine et à ce surgras. Donc pour un bébé ou une peau délicate hyper réactive, moi mon conseil c'est de choisir un savon naturel évidemment à froid, mention Slow Cosmétique oblige, qui soit surgras et sans huiles essentielles. Par exemple ici à la savonnerie bourbonnaise, c'est le Bourbon Kid, vous voyez, qui a sa base coco classique, huile d'olive pour la saponification et un complément en karité, du macadamia aussi et de la cire d'abeille et un peu de miel. Si vous voulez, là on est sur une formule très savon et ça s'arrête là, c'est très bien comme ça, c'est tout ce qu'on demande à ce savon, c'est de laver en douceur. Si vous avez une peau à problème, je pense à l'acné, au psoriasis, à l'eczéma, vous savez que le savon à froid, pas pour tout le monde, mais pour l'écrasante majorité, est une aide précieuse parce que lors de la toilette, vous êtes là face à un détergent très doux, riche en glycérine. Choisissez une formule d'huile essentielle, faiblement dosée, ce sera la plupart du temps le cas pour les savons à froid, et choisissez des huiles essentielles qui répondent à votre affection. Regardez par exemple ici un air de Provence de la savonnerie bourbonnaise. C'est un savon évidemment qui est formulé à partir d'huiles essentielles de lavande, de lavandin, de lavande aspic. Je trouve personnellement que c'est une merveilleuse synergie, par exemple pour un acné du dos ou pour des imperfections liées à la peau grasse. Ça pourrait aussi très très bien marcher sur une peau irritée par des coups de soleil. Pourquoi pas? En été, ça fait un bain de fraîcheur qui respire, bon, la Provence. Donc, réfléchissez à ça, n'ayez pas peur des huiles essentielles. Les savons à froid sont des produits à rincer. Il ne faut quand même pas non plus exagérer, vous allez vous administrer une quantité infime d'huile essentielle. Enfin, le dernier point pour choisir votre savon à froid, c'est quand même l'argument plaisir. Si vous aimez les odeurs naturelles des huiles essentielles ou d'autres extraits de plantes, ça dépend des marques, n'hésitez pas. Vous voyez, par exemple, moi, j'adore les épices qui sont contenues dans le savon, le Docker. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ben, je me régale à chaque douche, évidemment, parce que ce savon-là, il sent la cannelle, le gingembre. Et en plus, il est très original parce qu'il contient un peu de charbon. Moi, ça m'arrange, c'est un peu anti-gratouille. À l'inverse, si vous avez envie d'un savon exfoliant, ce qui peut être un plaisir aussi avant un massage amincissant, n'hésitez pas à prendre un savon qui contient des petits grains, alors tantôt ce sera du pavot, du sésame, chez un autre ce sera de l'argile ou une poudre exfoliante. Ce sont là des gommages du corps entier exceptionnels pour la peau. Et dernier point, le savon à froid peut aussi parfois être un shampoing, oui, pour les cheveux. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le savonnier a ajouté une part de tensioactifs naturels. Ça peut être des protéines de soie, ça peut être un peu d'argile. Ici, par exemple, le Touareg de la savonnerie bourbonnaise utilise le rassoul, vous savez, cette argile qui contient une petite part de saponifiable pour que ça mousse et que ça lave les cheveux en douceur. Donc, renseignez-vous toujours sur la formule. Elle n'est pas bien compliquée dans un savon à froid. Faites confiance à la mention Slow Cosmétique. N'oubliez pas que tous les savons qui portent la mention Slow Cosmétique ont été testés, contrôlés, examinés, aimés par les bénévoles de l'association Slow Cosmétique. Je vous retrouve bientôt, moi, sur le mag de la Slow Cosmétique ou ailleurs, sur le web ou en télévision. Faites les bons choix et faites la révolution dans votre salle de bain avec moi.